Hello tout le monde, c'est Galar Gaming, toujours là, toujours présent. Donc aujourd'hui, on va faire une nouvelle vidéo pour vous montrer mon nouveau setup. Mais d'abord, je vais vous montrer mon setup que j'ai joué pendant pratiquement un an. Et comme ça, après, ça vous fera une idée comment j'ai pu évoluer. Donc c'est parti, après, je vous montrerai mon setup. Allez, c'est parti, les gars. Donc, les amis. Mon setup, c'était à l'époque un ordinateur, pour voir vos commentaires. Mon casque, pour parler avec vous. Et une manette, pour jouer avec vous. Et la télé, pour tout simplement, pour jouer avec vous, avec ma PlayStation qui était ici. D'accord ? Et en haut, il y avait ma PlayStation caméra. J'ai fait un live comme ça pendant un an. Donc maintenant les amis, je vais vous montrer mon nouveau setup. Soyez prêts, c'est parti. Donc les amis, voici mon nouveau setup avec un micro de la marque ZingYou. C'est une grande marque chinoise. Le son il est parfait, j'ai testé, il est magnifique. Avec un écran, avec une centrale HP Pavilion Gaming. Pas HP Pavilion Bureau, non, Gaming. C'est les statistiques, voilà, je vous montre, voilà, comme ça. Voilà. Voilà les amis, vous avez toutes les statistiques. Avec un écran MSI. Oui, un écran MSI de 32 pouces. Vous voyez bien, MSI, je sais pas si vous le voyez, ouais, il est là. Voilà, avec un MSI. Ça va servir une chose. MSI, vous savez, c'est un meilleur écran presque pratiquement dans le gaming. Avec une webcam C922 de Logitech. Donc c'est le dernier webcam à la mode, le dernier cri. Et donc ça, c'est... Donc ça c'est l'écran, la colonne, bon ça c'est les baffes pour écouter le son, hein. Et ça c'est le micro avec quoi je vais vous parler. Le casque, bon pour l'instant je vais utiliser ce casque mais j'attends un casque, tout simplement, mais bon c'est pas trop grave, le principal c'est de vous entendre les amis. Donc et ça là c'est ma PS4, il est venu ici, tout simplement avec ma colonne, ma PS4 il est là. Donc ma PS4 tout simplement, c'est ma PS4 basique que je jouais tout le temps, avec un écran ici, vous voyez. Donc il y a Fortnite, Overwatch, tout ça, avec tout simplement ma PlayStation caméra. Donc j'ai deux caméras, donc vous voyez, on me regarde partout. Donc voilà, et vous allez me dire, mais il est où ton fond de lumière? Bah, mon fond de lumière il est là pour l'instant. Mais bon, tout ça, c'est des petits détails qui jouent. Donc, à l'avenir, ça va changer, vous verrez. Je peux pas tout vous montrer, mais je vous montre tout ce qui est électronique. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour faire un bon stream, tout simplement. Avec un écran de 27 pouces de la marque AOC. Cette marque-là, elle est très peu connue. J'ai parlé avec le vendeur. Et mais bientôt, cette marque-là, il risque de percer. AOC, c'est une marque taïwanaise. Et MSI et AOC, c'est deux marques taïwanaises. Mais cette marque-là va bientôt percer. C'est un peu comme Huawei, mais en mieux. Voilà. Donc voilà, je vous ai montré mon setup. Je vous ai montré aussi les statistiques de mon setup. L'écran, bah ça, c'est un écran. Tout ça, c'est des écrans de gaming. Donc je peux jouer à Fortnite, Overwatch. Je peux tout jouer. C'est 144 MHz, je crois, cet écran. Et cet écran aussi, pareil. Donc je crois que c'est ça, ouais. Fréquence MHz. Voilà. Et donc. Voilà, je vous ai montré mon setup, je vous montre en grand, voilà, ça fait comme ça, donc il est magnifique. Et aussi, sans finir, j'ai oublié de vous montrer aussi le siège de la marque Klim, tout simplement, la marque Klim. Pourquoi j'ai choisi cette marque? Parce que il était pour mes attentes, voilà. Vous allez me dire, mais Galar, pourquoi t'as pas choisi Noble Share ou des X-Racer? Ben moi j'ai envie de me démarquer des autres, et donc j'ai pris cette marque là pour m'asseoir, et le confort il est là. Donc
Donc voilà. Donc les amis, ça y est, c'est fait. Voilà, je vous ai montré mon setup de malade. Donc je voudrais un maximum de pouces bleus. Là maintenant, les streams, ça va changer. Ça sera plus derrière un canapé, ça sera derrière une chaise de gaming, derrière un micro de gaming. Je sais qu'il manque un petit peu, 2-3 trucs, mais c'est qu'un début. Il y a un début à tout. Après, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Je sais qu'il manque un module d'acquisition. Je sais que vous allez me dire tous en commentaire ce qui me manque. Mais pour moi, c'est qu'un début et je suis content d'avoir tout ça pour jouer avec vous. Voilà. Donc, Galar Gaming, toujours là, toujours présent. Ciao. We'll be right back.